Lorsque l'on vous parle d'OVNI, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Les soucoupes volantes, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'Hollywood nous a fait croire pendant toutes ces décennies. Mais pour être honnête, les ovnis sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Des ovnis en forme de boomerang aux ovnis triangulaires, en passant par les sphères métalliques se déplaçant à des vitesses phénoménales sans aucun moyen de propulsion visible. Tout cela indique clairement qu'il existe une civilisation extraterrestre très avancée qui surveille de près l'humanité. Certains disent qu'ils le font pour nous empêcher d'utiliser notre arsenal nucléaire les uns contre les autres. Est-ce vraiment vrai? Nous ne le saurons que lorsqu'ils entreront en contact avec nous. En attendant, voici 10 observations d'OVNI de 2024 qui ne tiennent pas la route. Bienvenue dans le laboratoire 360, il est temps d'explorer. Numéro 1, OVNI métallique ressemblant à une toupie vue au Brésil et aux États-Unis. Cette observation choquante aurait eu lieu quelque part au Brésil en juillet. Un homme a enregistré un objet inhabituellement brillant dérivant dans le ciel en plein jour. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ballon en millar en raison de l'éclat argenté qu'il dégageait. Mais en observant sa forme et son mouvement vers l'avant, il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un ballon, mais d'un ovni. Cet ovni ressemble beaucoup à la toupie métallique que l'acteur Leonardo DiCaprio a utilisée comme totem dans le film Inception. Alors que l'ovni continue d'avancer, on peut observer un léger changement de forme, où il est supposé devenir plus court. Des témoins oculaires ont déjà vu de tels ovnis changer de forme, mais c'est probablement la première fois qu'ils sont filmés. Un ovni métallique similaire en forme de toupie a également été vu en Colombie par le pilote d'un avion commercial. L'ovni s'est approché si près de l'avion qu'il y a eu une collision en vol, mais le pilote a éloigné son avion juste à temps. Étonnamment, le jour même où l'ovni a été vu au Brésil, le même engin a été aperçu à près de 3000 km de là, à Miami, en Floride. Mais cette fois-ci, l'ovni est resté immobile dans les airs, comme s'il attendait les ordres du vaisseau mère. L'avenir nous dira pourquoi cet ovni métallique en forme de toupie est si souvent observé en Amérique du Nord et du Sud. Numéro 2, ovni laissant une traînée de lumière qui disparaissent. Dans le passé, nous avons vu des ovnis dont les lumières disparaissaient puis réapparaissaient. Cela se produit principalement lorsqu'ils se rendent compte, grâce à leur technologie avancée, que quelqu'un les observe à distance. Mais ce que vous allez voir maintenant, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cette observation a eu lieu aux États-Unis et a été filmée par une caméra de vision nocturne à sonnette, orientée vers une grange. Nous pouvons clairement voir quelque chose de lumineux se déplaçant de droite à gauche, mais la façon dont il se déplace d'un point à un autre défie totalement toutes les lois de la physique que nous connaissons. Cet engin semble se téléporter d'un point à un autre en une fraction de seconde. Même le cheval dans l'étable semble visiblement perturbé, comme s'il avait peur de quelque chose. Ce même engin a été capturé plus tard par un homme depuis son balcon, et cette fois l'ovni émettait une lueur orangée. Il est surprenant de constater que la distance parcourue par l'ovni grâce à la téléportation était beaucoup plus importante qu'auparavant, ce qui montre qu'il était pressé. Quel genre de technologie supérieure ces extraterrestres possèdent-ils pour pouvoir disparaître et réapparaître dans une position totalement différente? Et peut-on imaginer à quel point leur armement sera plus avancé que le nôtre si l'on considère cette supériorité technologique de la téléportation? Numéro 3, OVNI vu en Russie et en Chine formant le symbole de l'infini. Cette observation stupéfiante a été enregistrée par un Russe alors qu'il était assis sur son balcon. Ce qu'il a vu l'a laissé totalement perplexe. À première vue, il s'agit de multiples orbes formant une forme circulaire tout en se déplaçant à grande vitesse, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit du symbole de l'infini qu'ils essaient de former.
Des centaines de lumières incandescentes peuvent être vues en spirale dans une étrange forme de 8, très haut dans le ciel. Des orbes similaires se déplaçant rapidement ont également été observés à Nagpur, en Inde, en juin, mais cette fois-ci, ils formaient un cercle. Ces orbes n'étaient-ils que des drones essayant de communiquer par des symboles avec leur vaisseau mère ? Ces ovnis orbitaux observés en grand nombre semblent être un phénomène asiatique, puisqu'ils ont également été repérés en Chine. Cette fois, ils ressemblent à la majestueuse danse synchronisée exécutée par les étourneaux, appelée murmuration. Cette fois-ci, ce ne sont pas des centaines, mais des milliers d'orbes lumineuses qui tournent autour de la Lune, comme si elles captaient l'énergie de notre satellite naturel. Pourquoi voit-on autant d'orbes formant d'étranges symboles mathématiques au-dessus du continent asiatique ? Numéro 4, ovni coloré ressemblant à une croix vue très haut dans le ciel. C'est la première fois qu'un ovni aussi étrange est observé dans le monde. Le lieu exact de cette observation ne peut être confirmé, mais ce que vous verrez vous fera certainement décrocher la mâchoire. L'incident s'est produit tard dans la nuit, lorsqu'un homme assis sur le balcon de son appartement a remarqué une étrange lumière dans le ciel nocturne. Il a commencé à enregistrer, en zoomant, il a vu une silhouette lumineuse en forme de croix planant très haut dans le ciel. Elle semblait très stationnaire, mais ondulait également de droite à gauche, ce qui lui donnait un aspect très flexible. L'OVNI n'émettait pas seulement de la lumière blanche, mais aussi des lumières de différentes couleurs, un peu comme les lumières de décoration que l'on voit sur les sapins de Noël. Pendant toute la durée de l'enregistrement, l'OVNI n'a jamais bougé de sa position. Nous sommes généralement habitués à voir des soucoupes volantes, des ovnis triangulaires et même de multiples orbes lumineux, mais un ovni en forme de croix émanant des lumières colorées haut dans le ciel n'a tout simplement aucun sens. Numéro 5, ovni vu à Chennai, Inde. De nombreuses observations d'ovnis ont eu lieu en Inde cette année. Mais une observation d'ovni d'une telle ampleur et d'une telle clarté n'a jamais été enregistrée dans le pays. Cette observation a eu lieu à Chennai le 19 août. Un objet mystérieux a été filmé en train de planer au-dessus de la ville de Chennai. L'objet avait l'air solide, il est resté immobile au début, puis a commencé à se déplacer lentement d'est en ouest. Plusieurs témoins ont rapporté l'observation, avec des photos prises sous différents angles. Cet ovni émettait une lumière verte brillante, très similaire à l'ovni vu très clairement à Téhéran, en Iran, qui émettait également une lumière verte brillante. Si vous comparez les deux images côte à côte, vous penserez qu'il s'agit du même ovni, mais sous des angles différents. L'observation de Téhéran a eu lieu au mois de mai, soit 3 mois avant celle-ci. S'agit-il donc du même ovni ? Il est surprenant de constater qu'il existe une centrale nucléaire à Chennai. De plus, l'Iran est notoirement connu pour son stock d'armes nucléaires. Cet ovni était-il donc en train de surveiller nos capacités nucléaires terrestres ? Numéro 6. Un ovni disparaît en quelques secondes en Espagne. Cette observation particulière a attiré l'attention des médias sociaux, principalement parce qu'elle a eu lieu près de la capitale mondiale de la fête, Ibiza. Des touristes profitaient du calme de l'océan au sommet d'une falaise dans la soirée, sur l'île d'Evedra, près d'Ibiza. Étonnamment, un demi-croissant de lune était également visible à ce moment de la journée. Une touriste qui essayait d'immortaliser ce demi-croissant de lune a remarqué quelque chose de très inhabituel dans le ciel. Elle a remarqué un orbe blanc brillant, stationnaire près de la Lune. Dès qu'elle l'a repéré, elle l'a immédiatement signalé à son amie et toutes deux ont couru pour s'approcher afin de mieux voir l'objet inhabituel. Mais après avoir zoomé sur l'orbe pour enregistrer des images claires, quelque chose de très étrange s'est produit. L'orbe s'est brusquement éloigné vers la droite à une vitesse inouïe et n'a plus jamais été revu. La vitesse à laquelle il est sorti du champ de vision de la caméra était tout à fait extraordinaire. Un tel exploit ne peut être réalisé par aucun engin fabriqué par l'homme que nous connaissons. Même la fusée la plus puissante jamais construite, le Starship de SpaceX,
qui a une vitesse de pointe de 16 000 miles par heure, aurait eu beaucoup de mal à atteindre une telle vitesse en une fraction de seconde. De plus, le fait que l'orbe lumineux soit resté immobile pendant tout ce temps, mais qu'il se soit éloigné au moment où le touriste a essayé de le photographier, montre que les extraterrestres savaient qu'ils étaient surveillés. Mais à quel point leur technologie est-elle avancée pour qu'ils puissent sentir que quelqu'un essaie de les enregistrer d'aussi loin ? Numéro 7, OVNI vu par un couple au Canada. Au cours des dernières décennies, le Canada est également devenu un point chaud pour les observations d'OVNI. L'observation la plus récente a eu lieu le 14 mai dans la région de Fort Alexander. Un couple canadien est tombé sur un spectacle extraordinaire lorsqu'il a remarqué quatre ovnis brillants aussi forts que le soleil au-dessus d'une rivière voisine. Justin Stevenson et sa femme traversaient Fort Alexander vers 22h lorsqu'ils ont aperçu plusieurs orbes mystérieux émettant des lumières jaunes, planant au-dessus de la rivière Winnipeg. Justin a immédiatement commencé à enregistrer cette observation déconcertante qui les a laissés, lui et sa femme, totalement abasourdis. À l'œil nu, on a l'impression qu'il y a quatre soleils à l'horizon. Un tel ovni émettant une lumière jaune-orangée a également été vu une fois au-dessus du Texas. Ces ovnis oranges font-ils tous partie d'un même bataillon chargé de surveiller le continent nord-américain ? Après que sa femme a publié les images sur Facebook, de nombreuses personnes ont rapidement fait remarquer qu'il pourrait s'agir d'une « étrange anomalie ». S'agit-il d'un simple incident naturel ou d'une multitude d'ovnis ? Nous ne le saurons qu'avec le temps. Numéro 8, OVNI avec des lumières disparaissant vues au-dessus de la Malaisie et des Philippines. Cette observation a eu lieu en juin 2024 dans le pays pittoresque de la Malaisie. Les observations d'OVNI ne sont pas très courantes en Asie du Sud-Est, et cette observation a donc attiré l'attention des amateurs d'OVNI. Un homme a vu d'étranges lumières dans le ciel nocturne au loin. Il a commencé à enregistrer et voici ce qu'il a vu. Tout comme les ovnis observés à Nagpur, en Inde, cet ovni était caché derrière d'épais nuages porteurs de pluie. Mais les lumières qu'il émettait étaient si brillantes qu'elles perçaient même les nuages sombres et étaient clairement visibles depuis le sol. On peut clairement voir que les lumières disparaissent et réapparaissent au même endroit en quelques secondes, comme dans un avion. Il semble également que ces lumières fassent partie d'un énorme ovni planant dans le ciel. Cette étrange observation d'ovni a même été rapportée par les médias locaux, mais là encore, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient vu. Une autre observation similaire a également été enregistrée aux Philippines. La raison d'être de cet énorme vaisseau-mère extraterrestre planant au-dessus de l'Asie du Sud-Est restera un mystère. Numéro 9, USO vu au large des côtes du Mexique. Ce que nous allons vous montrer n'a pas d'explication possible. Nous avons déjà parlé des objets submergés non identifiés, OSNI, lorsque la marine soviétique s'est retrouvée face à des OSNI sous-marins hostiles. Lors de cette confrontation, avant que la situation ne devienne incontrôlable, le sous-marin a fait surface et les objets submergés non identifiés ont fui l'endroit sans aucun conflit. Pour en revenir à l'observation récente d'un ASS, elle a eu lieu au large des côtes mexicaines en juin de cette année. Des pêcheurs, qui se trouvaient en haute mer, ont soudain remarqué qu'une lumière brillante sortait des profondeurs de l'océan. Au début, on a l'impression que la lumière est projetée sur la surface de l'océan depuis le ciel, mais on s'aperçoit ensuite qu'elle vient des profondeurs. Cette observation a également été transmise aux médias mexicains, qui n'en avaient aucune idée. Tout comme cette observation, un couple de pêcheurs en haute mer, au large de Porto Rico, a remarqué une lumière bleue brillante provenant des profondeurs de l'océan. Dans les deux cas, les pêcheurs ont gardé une distance de sécurité car ils n'avaient pas conscience des intentions de l'USO. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu'en avril 2013,
un avion des douanes et de la protection des frontières a filmé un ovni au-dessus de l'aéroport Rafael Hernández. Après avoir survolé la ville, l'ovni s'est lentement dirigé vers l'océan. L'ovni est ensuite allé sous l'eau et a disparu. Pour réapparaître sous la forme de deux ovnis distincts, puis disparaître à nouveau dans l'océan. Était-ce le même USO qui a été vu récemment à Porto Rico émettant une lumière bleue brillante? Numéro 10, OVNI triangulaire orange vu à New York. Ce n'était pas non plus la première fois que trois orbes en formation triangulaire étaient aperçus dans le ciel nocturne de New York. En mai 2021, un homme a remarqué trois orbes brillants le long de la promenade de Brooklyn, à égale distance les uns des autres, en formation triangulaire. Ils ressemblaient aux ovnis en forme de triangle vus depuis la caméra de la sonnette au lever du soleil en Floride en 2023. Avance rapide jusqu'en juillet 2024 et ces mêmes trois orbes dans une formation triangulaire ont été vus au-dessus de New York. Ces orbes dégageaient également une lueur orangée comme l'ovni en téléportation vu auparavant. La personne qui enregistrait les images était tellement abasourdie qu'il a commencé à demander aux passants s'ils pouvaient également voir cet engin contre nature dans le ciel nocturne. Contrairement à l'ovni triangulaire vu le long de la promenade de Brooklyn qui était stationnaire, cet ovni a continué à avancer à une vitesse décente. Pendant tout l'enregistrement, les trois orbes sont restés à égale distance les uns des autres. Alors, s'agissait-il simplement d'un énorme ovni triangulaire avec trois lumières brillantes ou s'agissait-il de trois orbes indépendants se déplaçant de manière synchronisée avec précision ? Avec autant d'observations d'ovni en l'espace de 8 mois seulement, nous ne pouvons tirer qu'une seule conclusion. Les extraterrestres sont tout à fait prêts à établir un premier contact avec l'humanité. Mais que se passera-t-il, selon vous, lorsqu'une espèce très avancée se retrouvera face à face avec nous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé, et continuons à explorer ensemble.